commissaire capable de prendre des mesures, c'est pour le capable de pallier à des situations difficiles qu'il trouve. Qui ça? Si automatiquement mon dossier là même, moi pas gagné un directeur général qui a un bureau pour me compte qui côté m'a joindre. Pas gagné un personnage qui gagne une adresse, un domicile connu ou élu pour me compte côté m'a joindre. Maintenant, pour me capable de permettre que personnage ça yo présenté dans paquet pour yo bay explication sous enquête que moi-même m'a mené dans des dossiers. C'est très difficile pour moi. Donc, un seul moyen que je gagne pour me passer, pour me capable de gagner présence personnelle dans des dossiers qui sont traités dans le paquet, il faut que je prenne des mesures conservatoires et parmi lesquelles les interdictions de départ, c'est une là-dedans qui pour permettre que moi-même, les SAA, moi gagne pour me rentrer en contact avec une institution de l'immigration qui va permettre que je puisse entrer en contact avec personnel ça yo et pour moi même laisser ça pour me capable tendre yo. Donc voilà pourquoi des mesures conservatoires sont prises par le parquet dans le cadre des dossiers que n'a traité actuellement. Nous n'avons pas gagné aucune intention pour nous moun, mais nous gagnons responsabilité pour nous tendre tout acteur qui impliqué dans des dossiers d'enquête et judiciaire. Donc, il faut que nous prenions toutes mesures. Maintenant, si on mesure qui prend par paquet, et que contre personne que vous prenez mesure à l'essentialiser, la loi dit bah, le moyen pour le faire, soit le faire recours contre mesure ça, parce que son mesure en commissaire gouvernement. Donc, la loi dit, ou qu'on prenne des mesures, ou qu'on fait des recours contre mesure, prend par un commissaire gouvernement. Donc, si qu'on y a un personnage disponible pour paquet, dans la convocation, que le commissaire a gagné pour le faire à personnage ça yo, les y a répondre à la convocation du commissaire gouvernement. Et une fois les informations que le commissaire gouvernement a besoin, il va le joindre dans mes personnages, et bien, qui problème qui gagne, il gagne pour le prendre décision en conséquence. Mais présentement, dans le cadre, n'est-ce pas vrai, de notre enquête, nous nous sommes obligés d'adopter des mesures qui nous permettent d'entrer en contact et de rencontrer les acteurs concernés. Inspecteur général Joanny Canéus, qui est directeur central police administrative, fait connaître l'inspection générale police nationale a mené une enquête sous intervention brigade opération intervention départementale Boyd Tafé dans zone Lille-Lavoie après la mort d'un collègue policier. Joanny Canéus expliquait avant longtemps l'inspection générale a bien pour faire lumière sous dossier ça. On est sûr. Enquête inspection générale et si toute forme d'enquête ça, enquête type d'enquête ça yo, et les inspections, parce que nous sommes dans l'inspection générale, c'est ça qui fait mal à l'aise pour parler de l'inspection générale. Les enquêtes la fête et plaignant yo, yo connaît qui ça sorti dans le dossier, yo connaît qui ça dossier exactement. Et où est tout inspection générale qui a un point de presse qui compte bail. Il faut expliquer à la population tel dossier. C'est sûr, il y a presque l'inspection générale pour le dossier ça, il y a pas 10 populations, l'enquête là été faite, mais qui résultat, et combien de policiers qui sont tués là-dedans, et combien de policiers tout qui allaient la justice là-dedans, si ça méritait. C'est bien malheureux qu'il y a plus de monde qui ne pas comprendre le travail inspection générale. L'inspection générale n'est pas là pour faire policiers abus. L'inspection générale pas là pour faire personne injustice. L'inspection générale là, c'est même un papa. Non, Kaye. Ouais, le père, c'est lui qui donne le ton. Si papa lui-même, lui pas comporté en père de famille responsable, famille l'a perdu. C'est quoi ça me considère l'inspection générale? L'autre information, président républicain Jovenel Moïse nommé citoyen Gamal Augustin, qui s'est tout directeur général Télévision nationale d'Haïti, comme nouveau directeur général Radio nationale d'Haïti. Gamal Augustin remplacé Marc Xavier, qui a dirigé l'institution ça depuis 29 mars 2017. C'est un arrêté présidentiel qui paraît dans la date 31 octobre qui nommé Gamal Augustin dans nouveau poste ça. Directeur Augustin profite remercier chef l'État pour confiance li placé dans lui et puis promettre pour mener back institution comme ça doit.
Député circonscription Kinskoflan Alfredo Antoine distribué lundi 30 octobre semences engrais by planter qui sorti dans diverses sections communales non Kinskof. Dans l'occasion, Alfredo Antoine expliquait initiative ça rentrer dans cadre démarche pour renforcer agriculture dans commune Kinskof. Nous suivions reportage c'est quoi par qui ak Frenel Toussaint. Planter sa yo qui sorti dans localité 4e section Bellefontaine, Grandfond, Fermat, bénéficier plusieurs sacs semences, pommes de terre, engrais et outils agricoles, ça qui pral permettre yo renforcer agriculture dans commune Kinskof d'après député circonscription Sila Alfredo Antoine. Ça c'est un don de bureau député qui a fait distribution de semences pommes de terre qui sorti dans fonds parisien que nous acheté et de engrais que nous acheté au niveau ministère de l'agriculture à un prix préférentiel qui c'est 850 gourdes. Donc ça c'est une distribution symbolique que n'a bay plusieurs localités. Ça c'est par exemple 4e Bellefontaine, c'est deux monde qui sont fait plus que 6 heures dedans à marcher un peu partout dans communauté à Langlade, Fermat et toute zone en voisinage yo que n'a fait distribution de semences parce que monde Kinskof yo plus remet produit manger que eux-mêmes y a consommé. Yo pas veulent kit alimentaire. Yo dit député Ovlé pour que nous encadrions dans la question agriculture et c'est ça que nous avons fait. Agriculteur Sayo remercie député Kinskof là pour engrais et outils agricoles Sayo qui peut aider à augmenter la production de légumes. Yo. Et pas aujourd'hui seulement nous recevoir. Nous recevoir parce que nous avons même un jardin de poids qui est sèche, ma tante sèche, pour malquer grâce à député. Et grâce à député, député a suspend distribuer le bail semences, déjà le bail engrais, déjà le bail outils. Nous-mêmes, population Kinskof là, nous joignons. Si nous disons pas joindre, qu'on est méchant, nous taille. Nous prenons le travail pour nous mettre en grès, pour nous planter pommes de terre, mettre en grès. Et puis nous sommes les peuples là, qu'on y a 11, 12 personnes ensemble avec nous qui étaient capables de nous recevoir pour la localité 4e. Engrais, semences, pommes de terre, saillot, et outils agricoles, saillot, coûtaient environ 850 000 gouttes d'après député Alfredo Antoine. De l'autre côté, promettre pour lui continuer à accompagner planter saillot. Nous sommes parlé agriculture, qu'on y a un palais infrastructure pour nous dire que député Gromon, Fritz Chéri, Salier, décision exécutive la prend pour construire tronçon route, carrefour Joff, Ons à Foleur. Parlementaire à quoi? C'est une initiative, moun nord-ouest, ak la Tibonite, a tant longtemps. Député a invité acteurs politiques à contribuer dans l'instabilité pays a pour faciliter divers projets infrastructures qu'a fait yo arriver réaliser. Depuis 1804, c'est seule route dans le pays qui n'a jamais gagné un couche asphalte sur lui. C'est seule route dans le pays que l'État haïtien toujours passé aux oubliettes. Aujourd'hui, avec le gouvernement ça, l'administration Jovenel Lafontaine, il y a une grosse disposition qui prend pour permettre que une fois pour toutes, la route soit faite. Et nous sommes capables de remarquer que la route là, le travail a commencé depuis Carrefour Joff, le travail a commencé. Et 43 premiers kilomètres qui sont pour faire là, la privée ici, là, dans la queue, de Carrefour Joff Gonaïve à la queue, c'est 43 kilomètres là, et qui a gagné pour faire. Donc je dis là, tout ce qui est tout ce qui est gagné dans le pays, toute bataille qui est dans le pays, dans la rue, contre le gouvernement, contre le président, c'est pour capable bloquer la route Carrefour Joff. Bah, ils sont déception pour eux. Depuis 30 ans, ils ont occupé le pouvoir. Ils n'ont pas jamais pensé à la route Carrefour Joff. Aujourd'hui, c'est cette bataille qui a fait dans la rue pour capable bloquer la construction de la route Carrefour Joff. Et ça fait demander à mon bord de paix, à mon Tibonite, à mon Gobon. Ils comprennent véritablement. Aujourd'hui, nous avons la CUL. C'est la 4e section communale dans Gobon. C'est la usine à Sade, c'est la gravelle là. Ça veut dire au matin, pour mon Gomon, on matin pour mon nord-ouest levé et puis président Jovenel, gouvernement tombé, président allé, puis route la campagne encore pour 210 ans. Maintenant, quel type de pays que nous trouvons nous? Ça dit deux, trois grains de monde qui n'ont pas de presse, ils n'ont pas rien qu'à faire dans le reste pays. C'est comme si tout le reste pays n'a pas existé pour eux. C'est comme si tout le reste pays, c'est eux-mêmes qui représenté. Donc, moi, c'est que le bizarre, nous-mêmes au niveau de Gomon, nous-mêmes au niveau nord-ouest, route ça n'a pas campé. Route ça n'a pas campé. Et quel que soit Jean, vous voulez là, et bien fait. Parce que je dis à nous souffrir trop. Et m'inviter tout le monde qui a manifesté, vin dans Carrefour Joff, vin là dans la cul, vin garder.
qui gens que travail commence à faire dans le pays là pour que route nationale numéro 5 là li enfin rive construit dans le pays d'Haïti. Donc je pense que jodi a faut que fosseur faut que moun sa ou ba pays en chance. Faut que casseur ou ba pays en chance pour que nous-mêmes qui dans nord-ouest pays là, nous-mêmes qui dans l'Artibonite, nous-mêmes qui dans plateau central, nous-mêmes qui dans Jérémy pas oublier que ça gagne plus que 200 ans. Budget pays, c'est la République de Port-au-Prince. C'est là qu'on a dépensé. Jodi, le gouvernement ça vient de décentraliser le budget. Jodi, le gouvernement ça vient de dire qu'il faut gagner route dans le pays. Jodi, le gouvernement ça vient de dire qu'il faut gagner manger dans le pays. Eh bien, le groupe Mounsa, ça fait mal. Parce que, yo même yo là, tout c'est pour vous mettre profit, pour empêcher qu'on réussisse, pour l'élection faite, pour ou bien pour tomber, puis vous êtes capable d'arriver à occuper le pouvoir. Donc, nous même au niveau de Gros Monde, au niveau de Nord-Ouest, nous suivons attentivement ce qui a passé là. Et nous avons fait tout ce qui a fait là dans le Port-au-Prince. C'est craser bagaille mounio, c'est route qui a fait Joff qui a construit là. C'est lui qui dérange. C'est route qui a fait au Cayenne, dans le sud pays, c'est ça qui dérange. C'est route qui a fait dans le plateau central, c'est ça qui dérange. Et nous voulons que la population comprenne ça. Mascaille qui a fait là, là sur son budget, c'est pas vrai. Président République là, Jovenel Moïse, qui te gen akli, ministre Travaux Publics, Transport et Communication, Fritz Kayo, visité mercredi 1er novembre, chantier viaduc Carrefour. Travaux qui te campé depuis quelques temps, pral reprendre selon ministre Travaux Publics, Transport et Communication. Sabine Jean, te sous place, la dit nous plus. Viaduc ça qui pral construit dans Carrefour, Marine Haïtienne, nan, doit permettre chauffeur qui utilise route Carrefour à Lyon Souffle. À travers visite li sous site ça, chef l'État a envoyé un message clair pour dire chantier a démarré, li pa camper dans route. Les travaux ça sont travaux commencés, ce sont des travaux qui commencé depuis 2013. Et comme nous constatons déjà, nous à peu près à 25% d'avancement. Et dans travaux nous avons des poutres qui supposé rentrer là d'ici la semaine prochaine pour tout sur place. Donc ouvrage ça, nous voyons son ouvrage de 12.9 mètres de large à avec 32 mètres et linéaire de portée. Et c'est ça qui explique vous dit à nous là. Comme président, il fait une campagne. Donc, population, bah, nous vote. Donc, là, sont notre campagne de résultats qu'il a fait. C'est ça qui explique vous dit. Hein. Nous là, nous venons regarder avancement travaux. Nous allons regarder là rapidement d'ici 6 à 7 mois que travaux finissent définitivement. Et dans la même promesse de campagne, j'aime toujours dire que je vais continuer. On va le corriger, on va innover. Ça a son continuité. Mon projet comme ça, pas bien 3-4 ans campé. Je prends une décision pour que l'État prenne un engagement avec la compagnie qui a commencé le projet. Ça, parce que son projet qui va le desservir presque 4 départements. Disons 5 départements. L'a desservi l'Ouest, l'a desservi le département Sud-Est, l'a desservi le département Sud, l'a desservi le département NIP. Et le poil de service département de grandeur. Ouvrage ça qui était campé depuis 3-4 ans. Dans le goumet que nous avons fait pour que l'argent de l'État suspende faire travail pour yon moun. L'argent de l'État qui a fait travail pour tout le monde, c'est réalisation bataille ça. C'est résultat goumet ça. Goumet contre corruption qui pour permettre que comme l'État les suspende entre dans yon poche, mais tout le peuple. Ça veut dire que j'en pour mettre l'argent pour l'aller dans poche tout le peuple là, c'est l'heure où travail. Que tout peuple a un résultat par rapport à l'argent d'État, ça l'a fait. C'est compagnie dominicaine Estrella qui est responsable pour exécuter le travail viaduc Carrefour. Projet a démarré en 2014, il doit bout dans l'année 2019. Pendant la visite, le président Jovenel Moïse encourage les techniciens à accompagner dans le GFOL pour mettre Haïti sous deux pieds militaires dans divers niveaux, et spécialement dans le domaine infrastructure routière. Pour qu'on y a, nous aborde des questions santé. Pour une fois qu'on est ministre santé publique, là, docteur Marie Gretawa Clément, dans tête yon délégation, visité lundi 30 octobre là, trois l'hôpital communautaire référence dans le département de l'Ouest, là, Bon Repos, mais est à Carrefour. Vite ça, vous faites pour fournir, j'ai gardé fonctionnement l'hôpital yo, et puis pour tes réponses à problèmes, y a pu traverser. On nous suivre. C'est des hôpitaux qui ont desservi des populations spécifiques. En là, on a un côté, on a desservi à peu près 150 000 personnes à 200 000 personnes. Il y a trois dans la région de l'Ouest. Il y a une Bedet,
gagnons l'autre bon repos. Et là, dernière visite que nous avons fait, nous encachons 32. En général, l'hôpital Sayo gagne entre 50 et 60 lits. Ici, nous avons un peu plus de lits. Nous avons 4 services de base. Ça veut dire que nous avons supposé gagner médecine interne, pédiatrie, obstétrie, gynécologie et chirurgie. Nous avons 4 services de base et puis nous avons tout l'autre bagage soins intensifs. Gagner salle d'opération, etc. Trois l'hôpital Sayo, c'était construit grâce à une coopération que le gouvernement haïtien a gagné avec le gouvernement Brésil. Et jusqu'à présent, c'est Moun Sayo qui a appuyé le fonctionnement de l'hôpital. Nous réalisons dans la visite que nous faisons aujourd'hui, chaque hôpital, ils ont tout semblé. Ça veut dire au point de vue infrastructure, c'est exactement même bagaille qui gagne dans chaque hôpital. Mais au point de vue fonctionnel, chaque fonctionnait de façon pareille. Par exemple, Bedet, nous avons réalisé que pas grand pile malade. Toute bagaille là, nous avons réalisé que pas grand pile malade. Et bon repos, actuellement fermé, bon problème qui existait entre la direction et la population de la zone. Et en cachon 32, nous avons dit que cette son machine la fonctionné à 200%. Ça commun dans tous les trois, c'est que tous les trois ont une salle d'opération, mais pas aucune salle d'opération qui fonctionnelle actuellement. Donc, nous allons pencher, nous retourner dans le ministère, là, nous allons pencher nous sur tout problème structurel, fonctionnel que l'hôpital Sayo a gagné, parce que nous pensons que yo c'est porte d'entrée dans le système hospitalier. On ne peut pas obliger toute salle gagnée pour descendre l'hôpital général ou bien l'hôpital La Paix. Donc nous prenons le travail vraiment en force sous trois l'hôpital Sayo pour la population qui a joué bon soin là où vini. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine chita parler avec plusieurs étudiants dans la faculté de médecine et pharmacie et dans l'Université Notre-Dame d'Haïti pendant le week-end. Le chef gouvernement a réalisé une rencontre ça dans l'idée pour encourager les étudiants et puis montrer l'importance de la profession médecine. Reportage de Saint-Croix-Paki avec Jardin Chéri. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, dans le cadre de la rencontre, a demandé aux étudiants pour accorder un peu l'importance à l'étude profession médecine et puis encourager pour rester servir le pays après l'étude. Vous représentez l'avenir de notre pays. Votre avenir n'est pas ailleurs. Votre futur n'est pas ailleurs. Votre futur est en Haïti. Il faut avoir d'abord cette conviction qu'on peut servir son pays, c'est le plus important. Je vous demande ce soir de vous engager. Sinon, on va perdre la médecine haïtienne. Le plus jeune cardiologue a plus de 50 ans. C'est une tristesse. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir en vous parce que vous êtes le futur d'Haïti. Étudiant Sayo qui est en quatrième année étudio dans la faculté de médecine et pharmacie et dans l'Université Notre-Dame d'Haïti promet dans quatre services sociaux pour le travail dans la ville provinciale pour porter la soin à la population dans la zone Sayo. J'ai choisi la médecine parce que premièrement je l'aimais, je n'avais pas d'autres options. C'était mon premier choix. Et j'ai estimé que j'avais le charisme nécessaire pour exercer cette profession. Alors, comment je compte m'impliquer? L'une des choses que j'aime, c'est le social. J'aimerais aller dans les zones les plus reculées d'Haïti, apporter mon soutien et œuvrer pour qu'il y ait une amélioration de la santé en Haïti, du système sanitaire en Haïti. J'ai fait choix de la médecine parce que donc, pour moi, c'est une vocation, c'est un vieux rêve. Donc, je me souviens de mon enfance. Donc, toutes les personnes qui souffrent m'interpellaient. J'avais ressenti comme une sorte d'appel donc, envers toutes les personnes qui étaient dans le besoin, donc qui avaient besoin d'une assistance quelconque.
Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que je devais faire médecine. Chef gouvernement, de l'autre côté, félicité jeune Zayo pour choix étudiant fait, cap aider yo servi population. L'autre information, nouveau protecteur citoyen, maître Renan Edouville, prend fonction mardi 31 octobre. C'est ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, qui installé maître Edouville dans poste. Plusieurs sénateurs, députés, cadres dans l'Office protection citoyen, membres famille, nouveau protecteur, et protectrice sortant Florence Elie, étaient présents dans la cérémonie installation. Dans le discours pour circonstance, ministre intérieur a exprimé attente gouvernement sous affaire respect droit moun dans le pays. Un reportage Marie Jolie avec Hervé Pierre. Nouveau protecteur citoyen, maître Nain Edouville, pral gagné pour passer 7 l'année dans la tête Office en protection citoyen OPC. Dans le moment installation, ministre intérieur collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, souhaitait nouveau protecteur à travail dans la collaboration à toute équipe OPCA pour bail résultat. Il est désormais le nouveau protecteur du citoyen de la République d'Haïti. D'ores et déjà, je lui souhaite beaucoup de courage, car je sais que la tâche sera difficile. Au niveau du gouvernement, nous sommes des hommes et des femmes d'État pleinement conscients de la complexité et de l'ampleur des défis à relever en matière de droits humains en Haïti. 56% de la population vivent dans une pauvreté extrême. Leur droit à la dignité humaine est trop souvent et systématiquement violé. Comment parler du respect des droits économiques, sociaux et culturels des millions de nos compatriotes qui sont frappés de plein fouet par l'insécurité alimentaire? Ils sont plus de 40% sur l'ensemble du territoire national, avec un indice de Gini qui figure parmi les plus élevés au monde. Les fortes inégalités et les exclusions protéiformes nourrissent sur le sol haïtien un sentiment constant d'injustice et de révolte dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui en sont les principales victimes. Dans l'occasion, maître Renan Edouville a montré contentement pour exercer poste ça, bien que il reconnaît un choix difficile. Il fait connaître, il prend mener une campagne de sensibilisation dans l'idée pour expliquer à la population qui ça au PCA y est, à travail institution a fait sous respect droit monde. On va continuer à travailler pour l'instauration, la construction d'un état de droit en Haïti autour de ce que je peux appeler le respect des droits humains, le respect des droits de l'homme à tous les niveaux, tous les droits de l'homme, tous les droits humains, sans distinction aucune. Tous les employés de l'OPC, je vous rejoins, chers amis, pour relever avec vous les nombreux défis de l'OPC et faire de l'OPC une institution véritablement au service de la population. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et en mettant de côté les querelles de chapelle, les isanis, j'ai reconduit dans le créole là, les contradictions, les divergences, l'individualisme, nous allons réussir tous et tout ensemble, et ceci pour le bien de la patrie commune que nous aimons. Protectrice sortant, Florence Elie souhaitait mettre Renan Edouville rempli comme ça doit, rôle comme protecteur pour tous les citoyens dans le pays. Directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale, là, Fednel Monchéri, découvrit un réseau qui a fabriqué fourchette dans le ministère intérieur. Fednel Monchéri fait connaître un employé ministère qui a fait partie du réseau. Ça, pendant l'y annoncer, il a continué à mener enquête pour joindre l'autre complice dans le dossier. Ça. De l'autre côté, Fednel Monchéri dit qu'il a continué le travail pour combattre la corruption dans le ministère. Fednel Monchéri a précisé dans le micro Paki avec Moïse Wilbridge. Nous avons gagné deux chèques de 50 000 gouttes qui sont sous deux casettes, Léogan et Marie Baou. Même deux chèques, ça, ils ont ressorti encore sous le même compte avec deux montants différents. 50 000 gouttes plus 3 millions, 3 millions. Donc 100 000 gouttes, je viens transformer, je viens additionner à 30, à 6 millions. Et ensuite, bon chèque de 12 millions. Donc ça, c'est
enfin pile tolé nous tout ça dit et ça vient ça l'image non seulement ministère à tout mais responsable tout parce que l'a dit bah la presse ou même au conseil en tant que chef institution quel était directeur général quel était ministre donc dans ça ça nous même nous dit que faut que nous chercher qu'on est et commissaire gouvernement instruit des dossiers à tout et dans l'intervalle nous venons l'autre petit dossier qui est intéressant qui est additionné avec ça du avant qui est lié bien employé à ce qu'il paraît selon le commissaire gouvernement il touchait 13,748 gouttes même chèque il y a même montant il changé dans une institution pour un montant de 3 millions de gouttes donc ça m'a demandé moi-même regarder on fait toute démarche administrative qui doit faire commissaire gouvernement même gens et puis me comparer information donc hier il est invité me dit Livine non seulement questionner moi et puis questionner ensemble des employés donc ça qu'a traité là c'est pas chèque 50,000 gouttes kazek là plus 12 millions à moun li aller ou pas concerné un chèque ça il concerné seulement un chèque de 3 millions de gouttes que on employé était touché 13 millions et puis chèque à 3 millions même numéro deux montants différents donc dans ce sens ça nous même nous mettons à la disposition du commissaire gouvernement pour que nous capables propre nettoyer image institution dont ministère de l'intérieur donc dans ce sens ça comme président tu nous dis que pays a cinq problèmes et le en cinq fois son seul mot la corruption et corruption tout même connaît que son spaghetti le four en fourchette là-dedans ou à pleuver avec anassi fourmi tortue tout le monde possible qui a impliqué là-dedans donc comme il s'est choisi attendez mon ça même pas par contre tout le monde là-dedans il y a au moins 4 à 5 employés ministères il y a mon et ils ont utilisé des institutions qui liées à ministère tant pour FENAM pour faire transaction frauduleuse ça aussi donc dans ce sens ça nous-mêmes nous pourrons approfondir enquête moi pour faire une vérification depuis que m'entrer là jusqu'à 30 septembre pour vérifier ensemble de transactions est-ce que ils conforme aux normes est-ce que pas un chèque qui sorti deux fois trois fois donc en attendant nous pas bail nos personnes que commissaire va attendre parce que jeudi à la nous fait prendre ça prendre de près ça n'a pas pour communiquer avant vendredi sorti là nous prendre dans deux institutions nous prendre faire même travail ça s'il faut pour arrêter monde arrêter monde s'il faut pour attendre monde n'a attendre on nous parlait diplomatie, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres a annoncé nomination Susan DePage comme représentant spécial en Haïti et puis chef mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti. Avant ça, Susan DePage était représentant adjoint pour état de droit dans MINUSTAH et puis était occupé poste ambassadeur États-Unis non pays Soudan du Sud à Union africaine. On nous parle religion, dans l'occasion 500 l'année existence secteur protestant en Haïti, Fédération protestante d'Haïti organisé yon cocktail 31 octobre là, non Pétionville. Diverses personnalités étaient fait déplacement pour participer dans cocktail ça, dans cadre célébration. Yon reportage, Rose Vanessa Pierre ak Michel Joseph. Cocktail pour marquer existence, réforme protestante là. C'est l'occasion pour différents membres de la fédération de rencontrer avec diverses autres personnalités dans une ambiance sans frais accès. Président de la fédération protestante d'Haïti, Dr. Sylvain Xantus, a profité de présenter le contexte de célébration de la réforme protestante. Que les protestants s'engagent à aider le gouvernement à développer une vaste campagne d'éducation pour les enfants. Tout l'héritage aujourd'hui, là où il y a une église, généralement, il y a une école. Ces conditions ont été acceptées par Étienne de Grelais. Ainsi, le premier culte protestant a été célébré sur la pelouse du Palais national le vendredi 28 août 1816. De 1816 à nos jours, le protestantisme en Haïti a beaucoup progressé. L'Église protestante assure à l'heure actuelle 60% de la couverture sanitaire. Les ONG protestants en Haïti représentent 60%. Le protestantisme haïtien a contribué à la graphie créole, à la promotion de la langue créole,
Nous comptons actuellement beaucoup de radios et de télévisions, de stations de radio et de télévision. Le protestantisme crée beaucoup d'emplois dans le secteur d'éducation, de santé, de développement et de construction. Dans l'occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, présenté quelques remarques qu'il fait sur l'implication du secteur protestant dans la société à quoi la fédération doit jouer. Cette morale chrétienne que le protestantisme est en train d'apporter à ce pays est une force indispensable. Nous avons besoin aujourd'hui de cette morale parce que je ne veux pas dire que le pays, je ne veux pas dire ça, que le pays est devenu amoral ou immoral, mais en fait, nous avons besoin de la moralité aujourd'hui. Et les chrétiens d'Haïti, je veux parler des chrétiens de toutes les tendances religieuses. Ces chrétiens aujourd'hui ont l'obligation non seulement de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la parole de Dieu, mais aussi de conscientiser nos frères et nos sœurs haïtiens de tous les secteurs. Je veux parler premièrement du secteur politique, parce qu'aujourd'hui, président de la République, je suis dans un poste éminemment politique. Nous devons non seulement prêcher le retour du Christ, c'est sûr, mais nous avons besoin d'une tolérance manifeste dans ce pays. En tant que président de la République, 9 mois après, disons 8 mois et quelques jours, je le dis chaque jour, je ne veux pas dire que je symbolise cette tolérance, mais à la tête de ce pays, je pense que je suis prêt. Je suis prêt à dialoguer, à parler avec tout le monde. Je suis prêt à supporter l'indifférence des autres, mais je suis prêt aussi à faire appliquer la loi. Cocktail ça a réuni plusieurs personnalités, parmi eux, président de la République, là, quelques sénateurs, amis et différents pasteurs qui font partie de la fédération. Aux autres suivent des déclarations, alors une après l'autre, déclaration. Président Fédération protestante en Haïti, un pasteur Sylvain Exantus, et puis président républicain Jovenel Moïse, dans l'occasion 500 l'année existence sectaire protestante. Zamite spectateurs, nous venons en bout 8 hebdo. Merci d'être à suivre. Merci pour fidélité. Nous souhaitons passer une bonne semaine sur Télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.